Alors vous allez me dire, non mais on en a ras-le-bol, il veut tout connecter celui-là, bon c'est vrai, même les masques, bah oui, on s'y met, les masques connectés. Alors c'est intéressant quand même, parce qu'en gros on va injecter de l'intelligence dans les masques, on va leur donner des petites fonctionnalités, en plus de celles d'améliorer notre respiration, de filtrer l'air que l'on respire. Tiens par exemple, celui que je porte là, c'est un masque en textile d'apparence tout à fait traditionnelle, mais il y a une petite particularité, c'est qu'à l'arrière, en fait vous avez une puce RFID. C'est pas possible. Puce RFID. Je suis désolé, c'est pas possible. C'est bien gentil, les masques. C'est formidable. Moi, mais je peux lire sur vos lèvres. Là. Bah voilà, exactement. Alors que depuis le début, bah voilà, on est un peu coupé du monde. Là, ça permet de retrouver un petit peu de communication. Et alors, l'autre avantage, c'est que ce masque, comme il est en plastique, bah, il est lavable et réutilisable à l'infini. C'est-à-dire, contrairement au masque textile qu'on peut réutiliser 20-30 fois, bah, celui-ci, vous le passez à la machine, vous pouvez passer un petit coup de chiffon avec de l'alcool à 70 ou du liquide désinfectant, et vous pouvez le réutiliser autant que vous voulez. Et le dernier petit point positif, alors pour vous, c'est peut-être un détail, mais moi, c'est important pour moi, c'est ça fonctionne avec la reconnaissance faciale du smartphone, vous savez, pour déverrouiller le téléphone. Ça, c'est un exemple, mais on peut même aller beaucoup plus loin. Alors, peut-être même trop loin, vous. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de voir que de plus en plus, c'est les grands groupes high-tech qui sont en train de se mettre à fabriquer des masques. Des fabricants de téléphones, des fabricants de télé, LG, les Sud-Coréens, Xiaomi, les Chinois. Alors, avec des idées parfois un petit peu farfelues, on va ajouter des capteurs, par exemple, qui permettent des trucs qui n'ont rien à voir avec le Covid, hein, de mesurer la qualité de l'air qu'on respire. Donc, les particules fines, etc. Et on reçoit une alerte sur son smartphone. Vous avez des systèmes de traduction instantanée. C'est-à-dire, le masque, vous parlez en français, le masque traduit ce que vous dites en japonais ou en mandarin. Vous imaginez, c'est génial. Quand même assez fou. Hein. Donc là aussi, c'est des prototypes. Vous avez même des masques qui font casque audio en même temps. On s'est fait baiser comme des bleus. On s'est fait baiser comme des bleus. On s'est fait baiser comme des bleus. On s'est fait baiser comme des bleus.